Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi. De ce jeudi 28 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé patience. Et c'est encore avec l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Vous êtes peut-être très impatient. Et l'impatience, c'est une distorsion, n'est-ce pas? Donc, il faut travailler sur l'impatience. Alors, le message, eh bien, le contact avec la nature vous aidera. Il faut du temps à une graine. Il faut du temps à une graine pour sortir de la terre et se transformer en plante florissante. Toutefois, chaque instant du cycle de vie d'une plante peut apporter de la joie à ceux qui perçoivent sa beauté. De la même manière, n'est-ce pas, eh bien, appréciez le processus menant à la réalisation de vos rêves. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour que votre projet se réalise. Il faut encore avoir un peu de patience. Ralentissez et soyez reconnaissant, car chacune de ces étapes, eh bien, cela vous fait progresser. Et ça fait progresser cette manifestation vers une forme tangible. Alors, voyez les leçons et l'amour qui découlent de chaque instant passé à poursuivre vos rêves. Maintenant, si vous êtes dans un projet, eh bien, qui n'avance pas, ne vous inquiétez pas, il va avancer, mais il lui faut encore du temps. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Vous avez peut-être aussi besoin de conseils extérieurs. Mais ce projet que vous avez en tête, il est bon et vous allez le concrétiser. Il faut juste que vous ayez de la patience. Vous savez, on n'a pas fait Paris en un jour, n'est-ce pas? Voilà, donc, ayez un peu de patience. Mais c'est vraiment... Le temps arrange toujours tout. Et avec le temps, votre projet va se concrétiser. Travailler avec l'archange Jophiel, eh bien, Jophiel nous aide à éprouver davantage de grâce et de paix dans nos vies en ralentissant le rythme et en remarquant la beauté qui nous entoure déjà. Et peut-être que nous sommes aveuglés par ça. Ouvrons les yeux. Il nous demande de savourer et d'apprécier chaque moment, plutôt que de faire reposer notre bonheur sur des objectifs futurs. En tous les cas, je vous invite à faire appel à ce bel archange Jophiel chaque fois que vous vous sentirez pressé, stressé ou malheureux. Il aiguisera votre conscience et il augmentera votre appréciation des miracles quotidiens de la vie.
Très, très beau message, n'est-ce pas? La patience avec notre bel archange Jophiel. Je termine, eh bien, avec mes petites prières de guérison. Et aujourd'hui, aïe, 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 j'ai pigé des primes. Pour certains d'entre vous, quel est le sentiment le plus fort chez vous? Quel est le sentiment le plus fort chez vous? Alors, est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Ou est-ce que c'est la rancœur? Vous savez, ces trois sentiments créent dans le corps une souffrance intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. Je vous invite à inscrire les raisons de votre colère, de votre tristesse ou de votre rancœur. Mettez-le sur papier. En l'écrivant, ça va vous alléger. Ça va alléger votre petit cœur. Et ensuite, récitez la prière autant de fois que nécessaire que je vais vous dire maintenant. Mes anges, merci de m'aider à sortir du cycle infernal de la dépression afin de retrouver tout mon potentiel. Merci de m'aider à en conscientiser la cause et à traverser cette épreuve. Que ma lumière soit plus forte que mes ombres. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Et vous répétez cela trois fois. Si maintenant vous voulez que je vous écrive cette petite prière, vous me le mettrez en commentaire. Et je vous écrirai cette petite prière. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis on se retrouve demain. Demain, c'est le dernier jour pour moi. Ça sera le 29 et là, on entame le réveillon. Je vous souhaite en tous les cas une excellente journée et voilà. Moi, je vous dis à demain et d'ici là, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. À demain.